Nous voilà en novembre 2019. On est en train d'assister à un phénomène assez étonnant, je dirais presque sans précédent, et qui est surtout lié à l'existence d'Internet. Disons que vis-à-vis de la science, il y a trois populations. Il y a les experts, et puis il y a le public finalement qui est obligé de croire ce qu'on lui dit et qui n'est pas à même de se faire sa propre opinion. Puis entre les deux, il y a des gens, comme j'ai dit, c'est les niveaux Mathsup, étudiants, ingénieurs, etc., qui finalement ont les moyens de comprendre les tenants et aboutissants de la théorie scientifique dans la mesure où ça leur est présenté de manière claire. Pour les experts, eh bien, on met à leur disposition une palette de documents, des articles scientifiques publiés dans des revues et comités de lecture de haut niveau, des communications dans les colloques, des vidéos. Et vous allez voir ce que ça donne. Ici, vous avez le numéro de septembre 2019 de la revue Science et Vie. Alors, qu'est-ce qu'on lit? À la une, l'univers caché, deux points, la matière noire n'est pas ce qu'on croyait. Les lecteurs se précipitent sur cet article et, tout d'un coup, Patrick Rogelet, un internaute, écrit à la revue: le dossier en une du Science et Vie de septembre 2019, traitant de la crise de la matière noire, a le mérite, enfin, de montrer les différentes alternatives au modèle standard. Il est vrai qu'actuellement, la matière noire fait un peu penser au fameux éther pré-relativiste, très à la mode à son époque. Je suis néanmoins étonné, concernant le sujet traitant de la masse négative, page 75, que vous ayez retenu seulement les modèles de Farnèse et Chardin, en oubliant celui de Jean-Pierre Petit. Son modèle Janus, accessible sur le net via ses vidéos pédagogiques, étayées par de nombreux PDF très rigoureux mathématiquement, a pourtant été publié dans des revues étrangères, un comité de lecture, depuis des années. Je suis surpris, c'est un euphémisme, par votre manque d'impartialité quant à occulter, volontairement, point d'interrogation, une théorie très avancée qui n'est pas plus spéculative que celle de ceux qui inventent des particules pour combler leurs lacunes. Pourquoi? Dans le numéro suivant, voilà la réponse de Science et Vie. Nous n'avons pas évoqué la théorie de Jean-Pierre Petit, tout simplement parce qu'aucun des spécialistes que nous avons interrogés ne nous en a parlé. Pour préparer ce dossier, nous avons en effet demandé à de nombreux chercheurs reconnus pour leurs travaux, cosmologistes, astrophysiciens, physiciens des hautes énergies et des particules, de nous lister les théories alternatives à la matière noire classique, et oui, qu'ils jugeaient les plus intéressantes. C'est sur cette base que nous avons dressé notre liste des sept. Or, aucun chercheur n'a évoqué le modèle auquel vous faites allusion. Si vous voulez mon avis, je pense que nous nous trouvons là face à un problème extrêmement intéressant sur le plan scientifique. Si vous considérez les spécialistes de la discipline, François Ascombe, Thibaut Damour, Marc Lachaiseraie, Aurélien Barraud, Alain Riazuelo, Jean-Philippe Uzan, Carlo Rovelli, Roland Lehoucq, eh bien pour ces gens-là, je suis devenu invisible. Bien, avant de passer à ce que je voudrais vous exposer aujourd'hui, laissez-moi vous présenter l'équipe Janus au grand complet. Alors, vous avez à gauche Nathalie Deberg, mathématicienne belge, qui a un doctorat en mathématiques et une centaine de publications sur les bases mathématiques de la mécanique quantique. Alors, au centre, c'est l'homme invisible, et à droite, Gilles Lagostini, mon fidèle compagnon de galère depuis plus de 20 ans, qui est aussi, depuis 15 ans, le secrétaire trésorier de notre association Savoir sans frontières. À travers cette association, grâce aux dons d'internautes, nous avons produit plus de 500 traductions en 40 langues. Les 30 albums de la collection des aventures d'Anselme Monturlu sont tous traduits en anglais, espagnol, allemand, russe, italien, portugais, polonais, tchèque, arabe, roumain, turc, bulgare et d'autres langues. Ça touche un demi-million de personnes dans le monde, mais aucun média français n'en a jamais parlé depuis 40 ans. Donc c'est une association qui, comme son président, est frappée d'invisibilité. Dans cette série de vidéos Janus 22, on va faire un huitième épisode, et je rappelle que ça s'adresse plutôt au niveau Mathsup. Pendant l'été, nous avons produit un nouveau travail.
Cette fois, nous allons vous le présenter avant qu'il ait été validé par une revue à comité de lecture. Nous l'avons envoyé à Physical Review Day et ce sera l'occasion de vous montrer les réactions des référés, car nous attendons de grosses difficultés pour publier ce travail. Alors, je traduis le titre. Solution stationnaire asymétrie sphérique revisitée de l'équation d'Einstein sans second membre. Alors pour ceux qui ont suivi toutes ces vidéos de la série Genus 22, c'est identique à la solution de Schwarzschild. Je traduis l'abstract. Une symétrie sphérique n'implique pas automatiquement une symétrie centrale. Effectivement, pour qu'il y ait une symétrie centrale, il faut qu'il y ait un centre. On reconsidère cette solution en conservant la signature et en évitant la permutation des coordonnées d'espace et de temps. Vous vous rappelez que dans l'interprétation classique, quand on suit la coordonnée radiale vers un supposé centre du système, à un moment, eh bien, le rayon R devient le temps et la variable utile devient le rayon. Voir l'exposé d'Aurélien Barraud au Collège de France. On montre que cette hypersurface n'est pas contractible et correspond à un lien entre deux espaces de Minkowski à travers une sphère de gorge. La nullité du déterminant sur celle-ci donne à cette géométrie une structure d'orbifold. À la traversée de la sphère de gorge, on aurait une symétrie PT. Ceux qui ont suivi les vidéos Genus 22 seraient tentés de dire mais il est en train de nous ressortir la même chose. Tout cela, il nous l'a déjà dit précédemment. C'est vrai, mais c'est présenté différemment, de manière plus propre. Bon, pour que vous puissiez consulter le fichier, je l'ai positionné provisoirement à cette adresse, mais comme il n'est pas publié, il est possible quand vous consulterez cette vidéo qu'il ait disparu, parce que s'il est publié, ce ne sera peut-être pas exactement sous cette forme. L'erreur, c'est le mathématicien David Hilbert qui l'a faite dans son papier de 1916, quand il reprend et commente le travail de Schwarzschild. Là, vous avez l'adresse à laquelle vous pouvez télécharger la version allemande de cet article de 1916. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Hilbert imagine qu'il n'y a que deux forces dans l'univers, la gravitation et l'électromagnétisme. Donc en faisant ça, il a l'impression d'avoir touché au fondement de la physique. C'est le titre de son papier, « Les fondements de la physique ». Il faut se rappeler aussi, voilà l'adresse de téléchargement Arxiv, que cet article n'a été traduit en anglais qu'en 1999. Antérieurement, ça se trouvait dans des livres, c'était très difficilement accessible. Et ça montre aussi une chose, c'est la fantastique accélération de l'accès à l'information scientifique que représente Internet. Dans le texte original en allemand, le passage clé se trouve page 67. C'est là qu'Hilbert indique que la métrique Gnu a une symétrie centrale par rapport à un point qui constitue l'origine de sa coordonnée R, c'est-à-dire petit r égale 0, c'est-à-dire le centre. Et maintenant, voilà ce passage dans la traduction anglaise. Il faut bien garder en tête que quand on décrit les points d'une hypersurface à l'aide d'un système de coordonnées, ce ne sont que des nombres. Sur une hypersurface ou une surface, il n'y a que trois choses qui sont pertinentes. Le réseau des géodésiques, la longueur petit s mesurée le long de ces géodésiques, et la topologie. Sur une sphère, des quantités comme la longitude et la latitude n'ont aucun sens intrinsèque, puisqu'on peut placer les coordonnées absolument comme on veut. Et même chose sur un tore ou sur n'importe quelle surface ou hypersurface. Maintenant, les niveaux Mathsup qui veulent absolument suivre ce qui va être exposé, doivent impérativement télécharger l'article de 1916 de Schwarzschild. Alors voilà sa traduction anglaise, avec l'adresse Arxiv, en vous rappelant qu'elle n'était disponible également qu'en 1999. Et j'ai mis une copie sur mon site, vous pouvez la télécharger aussi à cette autre adresse. L'article de Karl Schwarzschild de 1916 fait 7 pages. Voilà donc cet article. Qu'est-ce que nous allons découvrir à l'intérieur de celui-ci? Eh bien, nous reprenons l'article de Schwarzschild très posément, et que voyons-nous? Eh bien, à un moment, il introduit des nombres qui sont des coordonnées qu'il appelle T, X, Y, Z. Nous sommes à la deuxième page. Non, oh.
Nous sommes à la deuxième page de l'article, et alors qu'est-ce qu'on lit? Eh bien, on lit petit r égale racine de x2 plus y2 plus z2, et à ce moment-là, Hilbert se dit, ben voilà, c'est une variable radiale. Mais non, ce sont des nombres. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans l'article qu'on a soumis en novembre à Physical Review Day? Eh bien, on a repris le papier de Schwarzschild, ligne par ligne, mais au lieu de mettre les lettres R, X, Y, Z, T, etc., on a mis des lettres grecques. Là, vous voyez cette métrique de l'hypersurface qui est décrite avec des coordonnées Xi0, Xi1, Xi2, Xi3. Ce sont des nombres. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Eh bien, c'est des nombres réels. Xi0, Xi1, Xi2, Xi3 appartiennent à R4. À ce stade, qu'est-ce que fait Schwarzschild? Eh bien, il introduit la signature de la métrique plus, moins, 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 avec cette convention à l'ancienne qu'avaient Schwarzschild, Einstein, Weyl et tous les autres. Et nous faisons exactement comme lui, sauf que nos variables s'appellent Xi0, Xi1, Xi2, Xi3. À ce stade, on va introduire un nombre zeta qui va être positif et qu'on va définir comme étant la racine carrée de xi1 carré plus xi2 carré plus xi3 carré. Revenons au papier original de Schwarzschild. Maintenant, il va introduire deux angles, θ et φ, ce qui va lui permettre de négocier la symétrie sphérique. Dans notre papier, nous avons fait exactement la même chose. Nous avons calqué le travail de Schwarzschild, étape par étape, ligne par ligne, sans rien ajouter ni retrancher, ce qui nous fait introduire un angle θ et un angle φ, ce qui nous donne l'expression de la métrique avec ses symétries sphériques, parce que zeta n'est qu'un nombre. Tout ceci va être éclairci plus loin. Alors le problème maintenant, ce qu'a fait Schwarzschild, c'est de déterminer les fonctions g, h, f, fonction de xi0, zeta, theta et phi. Si vous suivez l'article de Schwarzschild, vous verrez qu'il introduit un nouveau système de coordonnées petit x1, petit x2, petit x3, petit x4, mais ce sont simplement des intermédiaires de calcul, c'est aussi des nombres. Voilà l'expression de sa métrique avec ses nouvelles coordonnées. Ben, nous, on va remplacer ça par des lettres grecques, ça ne change strictement rien, hein. Voilà ce qu'on trouve écrit dans notre article, qui est une copie intégrale, ligne par ligne, caractère par caractère, de l'article de Schwarzschild. À ce stade, Schwarzschild détermine les fonctions f1, f2, f3 et f4. C'est le moment de conclure. On se trouve à ce moment-là à la page 5 de son article. Il introduit à ce moment-là une grandeur alpha, qui est un scalaire, qui est une constante d'intégration. Revenons à la page 2 de l'article de Schwarzschild, et là nous avons le système de coordonnées dans lequel il avait envisagé d'exprimer sa solution métrique avec t, petit r, et θ et φ. On pourrait s'attendre à ce qu'il exprime sa solution dans ce système de coordonnées, qui sont simplement des nombres. Retournons à la page 5, au moment où il s'apprête à conclure le résultat de son étude. Eh bien, tout d'un coup, il introduit une quantité grand R qu'il appelle une variable intermédiaire et qui se trouve définie tout à fait en bas de cette page 5 par cette relation. Et je vous avais fait remarquer que lorsqu'on donne à la valeur petit r une valeur nulle, qui est sa valeur minimale, eh bien, à ce moment-là, grand R n'est pas nul. Alors, sa métrique s'écrit selon l'équation 14. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Simplement pour recoller avec la solution linéaire publiée quelques mois plus tôt par Einstein. Quand Hilbert prend connaissance d'un papier publié par Schwarzschild, il est un petit peu contrarié parce qu'il est en train de publier un document qui s'appelle « Fondement de la physique », donc il a tout résolu, et là il y a cette petite solution, donc il la reprend un peu à son compte, et puis il confond grand R avec une variable radiale, et d'ailleurs il met une note de bas de page en disant qu'il ne comprend pas ce qu'a fait Schwarzschild. En 2003, l'Italien Salvatore Antocci est le premier à publier un article qui s'intitule « L'héritage de l'erreur faite par Hilbert ».
impact de cet article strictement zéro. En 2017, à Francfort, au colloque Schwarzschild, j'ai entendu Malda Sena nous expliquer que la solution de Schwarzschild avait un peu déconcerté les gens, mais que maintenant, on avait résolu les problèmes, on savait très bien ce qu'il y avait à l'intérieur. Comment se termine l'article que nous avons envoyé à la revue Physical Review Day ? Eh bien, on décide d'exprimer la solution de Schwarzschild avec le système de coordonnées qu'il avait choisi, mais pour bien marquer que ce ne sont que des nombres, on remplace les lettres par des lettres grecques, et on obtient à ce moment-là ceci. Alors, regardez bien, c'est rigoureusement la même expression. On a simplement changé les caractères. Simplement, on a fait disparaître cette lettre petit r qui est dans votre tête comme une variable radiale. Là, c'est un simple nombre qui varie de 0 à l'infini. Alors, regardons comment la métrique de Schwarzschild s'exprime alors. Eh bien, on obtient ceci. Et ça, ça n'est pas la solution de Jean-Pierre Petit ou de Tartampion, c'est la solution de Schwarzschild exprimée dans les coordonnées qu'il avait choisies. Et ces quatre coordonnées, eh bien, elles sont dans R4, elles sont réelles, donc la seule chose qu'on a à faire, c'est de les faire varier de 0 à l'infini et de voir ce que ça donne. Alors, première chose, on a cette variable de zeta qui varie de 0 à l'infini. Bon, qu'est-ce qui se passe quand elle devient finie? Eh bien, on obtient ça. C'est-à-dire, on obtient Lorentz. Maintenant, reprenons cette métrique et regardons ce qui se passe lorsque zeta tend vers 0. Eh bien, on va faire un développement en série et on obtient ceci. Regardons ce que devient la métrique dans ces conditions. Eh bien, le terme g xi0 xi0 tend vers 0, le terme g zeta zeta tend vers 0, le terme g theta theta tend vers moins alpha 2, et le terme j phi phi tend vers moins alpha 2 sinus carré theta. Reprenons l'article de Schwarzschild depuis le début. Alors Schwarzschild choisit d'exprimer ses solutions avec le jeu de coordonnées t, x, y, z. On rappelle que ce sont simplement des nombres réels. Alors il pose ensuite petit r égale racine de x2 plus y2 plus z2. Petit r est un nombre, c'est un réel positif. Alors il exprime ensuite sa solution avec ses coordonnées petit t, petit r, theta phi. Nous avons simplement repris son calcul à l'identique, simplement en remplaçant les lettres latines par des lettres grecques, ce qui fait qu'on remplace t, x, y, z par xi0, xi1, xi2, xi3, et puis on pose zeta égale racine de xi1 carré plus xi2 carré plus xi3 carré. Alors on exprime la solution dans les coordonnées xi0, zeta, theta, phi, qui représente simplement un changement de caractère, pour bien marquer que ce ne sont que des nombres réels. On obtient ceci, et quand zeta tend vers 0, et on obtient ça. Alors maintenant, remplaçons les caractères. Remplaçons le caractère xi0 par t, et le caractère zeta par r. Alors on obtient ça, c'est strictement la solution de Schwarzschild. Petit r n'est donc pas une distance radiale. Quand ce paramètre tend vers 0, on obtient ceci, et dans cette région, le déterminant de la métrique est nul. Alors vous savez qu'il faut que le déterminant de la métrique soit différent de 0 pour qu'on puisse définir des coordonnées. Donc stricto sensu, ça n'est pas une variété, c'est une variété avec une région singulière qui est une sphère de gorge, et une variété avec une région singulière, ça s'appelle un orbifold, et il n'y a pas de singularité centrale. Dans la suite de cet article que nous avons envoyé en novembre 2019 à Physical Review Day, on reprend le changement de coordonnées magique qui avait déjà été publié dans Modern Physics Letters en 2015, qui est inversible. Alors la région de zeta égale 0 correspond à la valeur rho égale 0. Voilà l'expression de la métrique qui a déjà été donnée. On a alors deux nappes, une pour rho positif et une pour rho négatif. Quand ρ tend vers plus ou moins l'infini, la métrique prend la forme d'une métrique lorentzienne. Donc cette géométrie représente un pont entre deux espaces de Minkowski à travers une sphère de gorge dont le périmètre est 2π alpha ou la R 4π alpha 2. On ne peut pas parler de rayon alpha puisque cette sphère n'a pas de centre.
Alors, la grosse question, c'est comment est-ce que le référé de Physical Review Day ou des revues suivantes vont réagir? Bon, ben, on ne vous tiendra au courant. Alors maintenant, quels sont les grands noms en matière de ce qu'on peut appeler l'astrophysique? À moins de remonter à l'époque napoléonienne avec des gens comme Le Verrier, Lagrange, Laplace, en France, cette histoire s'écrit essentiellement en Angleterre, avec bien sûr Newton, et puis Gilles, Eddington, l'Indien Chandrasekhar. Aux États-Unis, vous avez des tas de gens, Burbridge, Zwicky, Hubble. Pour la cosmologie, ça prend sa source essentiellement en Autriche, en Allemagne, en Russie, avec Einstein, Friedman, etc. Plus récemment, vous avez trois Américains qui ont eu le prix Nobel pour montrer que l'expansion de l'univers s'accélérait. Et puis il y en a trois autres qui ont eu aussi le prix Nobel pour avoir mis en évidence pour la première fois les effets des ondes gravitationnelles. Tout ceci représente des étapes clés dans l'histoire de la discipline et vous retrouverez le nom de tous ces gens dans les livres. Il faut bien se dire une chose, comme je l'ai dit, à moins de remonter à l'époque napoléonienne, aucun Français n'a laissé son nom dans l'histoire de ces deux disciplines que sont l'astrophysique et la cosmologie. Est-ce que les spécialistes actuels de ces disciplines, en dépit du fait qu'ils aient été abondamment médaillés et récompensés par des prix, vont laisser une trace, même minime, dans l'histoire des sciences? Non. Ça montre simplement qu'il n'y a pas de tradition solide en France pour ces disciplines que sont l'astrophysique et la cosmologie. Donc il ne faut pas s'étonner du peu d'écho que peuvent rencontrer des idées dans ce milieu, et ce sera le sujet de la prochaine vidéo.